Entrez, je vous en prie. Ah. Bonjour. Alors. Alexandre Morel, né le 14 mars 1998. C'est bien ça? Bienvenue. Je vais devoir examiner votre sac pour voir son contenu. Je vous remercie. Alors, voyons. Romain, vous voulez bien accompagner Monsieur Morel dans sa chambre? Mon sac? Je vous le rapporterai personnellement. J'en ai besoin de mon sac. Ne vous inquiétez pas. Sécurité de cet établissement, Madame Karine Obeck. Pas de panique, c'est normal. Ça arrive souvent. Voilà ta chambre. Je te laisse le temps de prendre connaissance des lieux. Je reviens te chercher dans 10 minutes pour ton rendez-vous avec le docteur Falleret, qui va s'occuper de toi. Bonjour Alexandre, je suis le docteur Valentin Falleret. Je suis le directeur de cet établissement et je serai également votre psychiatre tout au long de votre séjour. Dans un état de trouble psychique manifeste l'ayant amené à commettre de graves actes de violence à l'encontre de plusieurs personnes, dont un officier de police, dans la journée du 31 mars 2018, Monsieur Morel ne semble pas en mesure de recouvrer ses esprits dans l'immédiat, représentant un danger pour lui-même et pour autrui. Je vous serai gré de l'examiner afin d'établir un diagnostic pouvant éventuellement conduire à son internement. Vous comprenez pourquoi maintenant vous êtes ici? Pourquoi avoir agressé ces personnes? Parce qu'ils ne voulaient pas me croire. Elle ne voulait pas vous croire. À quel sujet? Écoutez, mon but est de vous examiner afin de savoir si vous êtes atteint de troubles mentaux ou non. Si vous refusez de me parler, je serai dans l'incapacité de vous diagnostiquer et je serai donc dans l'obligation de vous garder plus longtemps ici.
Vous êtes sûr de ne pas vouloir me parler? Très bien. Qu'importe. Et j'espère que d'ici 8 jours, vous accepterez de me parler. Voici vos calmants. Prenez-les dès que vous en ressentez le besoin. Sachez juste que certaines personnes qui refusent de se faire soigner peuvent rester ici très longtemps. You laugh at them, shudder at them, and yet, but for the accident of birth, you might be even as they are. They did not ask to be brought into the world, but into the world they came. Their code is a law unto themselves. Of anyone. Je m'appelle Sarah. Et toi? Bah, t'es pas très bavard. T'es nouveau ici? Je t'ai jamais vu. Moi, personnellement, ça fait un mois que je suis coincée ici. Et toi, pourquoi t'es ici? T'es dépressif? T'es bipolaire? Je sais. Tu vois des choses. T'as des délires. Je suis pas fou, ok? J'ai rien à voir avec vous, moi. Cet hôpital, il est pas normal. Faut que tu te méfies. Surtout du personnel. Et surtout la concierge. Karine, elle est pas humaine. Quoi? Karine, la concierge, elle est pas humaine. Qu'est-ce que tu racontes? Elle est pas humaine, la concierge. Elle est pas humaine. Il faut que tu t'en ailles. Il faut que tu t'en ailles parce qu'elle est pas humaine, la concierge. Elle a des yeux partout. Elle a des yeux partout, la concierge. Elle a des yeux partout. Elle est pas humaine. Elle est pas humaine, la concierge. Elle a des yeux partout. Elle a des yeux partout. Elle a des yeux partout, la concierge. They did not ask to be brought into the world, but into the world they came.